eso. Alors faites en sorte que Samoa Joe remporte ce match. Oh putain, c'est relou ça. En fait, je suis à l'extérieur et je fais que des diversions. Ah ben c'est normal que ce soit plus moche que Skyrim. Skyrim, c'est un jeu, voilà, il est fait, t'es tout seul et tu te promènes dans la pampa. Tes os, vous êtes des milliards, tu peux pas mettre la même puissance technique, voilà. Si tu veux, j'ai aussi tes os. C'est gentil, Monstra, mais comme je l'ai dit, je suis super occupé et j'ai pas réinstallé le jeu, je crois. Donc peut-être que si un jour j'ai rien d'autre à faire, je remettrai le jeu et que je jouerai un peu avec les gens du Discord et tout ça, mais là... Là, c'est pas la priorité. Là, je vous montre ça vite fait parce que j'ai pas envie de spoiler. Vous verrez pas. Now don't go anywhere. We have a classic. Alors, vous voyez ce petit papier, il y a plein de choses qui viennent jusqu'en bas. Samoa Joe. Oh, we are going anywhere. Et d'autres là d'ailleurs. C'est les vidéos que je vais sortir sur les deux mois qui viennent. Voilà. Donc on est déjà le 15 novembre. Donc c'est les vidéos jusqu'au 31 décembre. Voilà. Tout ça, c'est ce qu'on a prévu de sortir. Vous voyez pas. Voilà. En gros, si vous voyez pas, la petite fiche est remplie de haut en bas de vidéos à sortir. Et j'ai mon niveau de stress qui est là à peu près. Vous le voyez pas parce que je dépasse. Oui, il est là mon niveau de stress. Et là voilà, 7 freaking Rollins. Allez, rentre. Sur PS4 Pro, j'ai trouvé Tezo plus beau que Skyrim. Ah, c'est intéressant. Je l'ai sur PS4 aussi, Tezo. Oh, il aime pas les gens. Oui, bah tu rentres dans le ring et tu fous pas. Ouais, ouais, je vois que la feuille est considérée comme fond vert, mais... Je voulais pas vous spoiler les futures vidéos, surtout. Superstar locks up with Seth Rollins, they must be prepared to endure attacks from all angles. Rollins has perfected the fighting style that's been described as a je vais jouer avec les lumières de l'arène pour le déconcentrer. Ah, tu l'as sur Xbox One, mais c'est pas cross-platform, si. Imagine. Et j'ai cru qu'il avait défoncé l'arbitre. Ah, The Elder Scrolls Online n'est pas cross-platform, si. So what do you think about Seth Rollins? In your expert opinion, what can the WWE Universe expect to see from him? The thing that's both exciting, quick pin attempt here. Yeah, I don't believe that he didn't win this match right there. Just needs to do more damage. Y. This is one of the most complete competitors you'll find in sports entertainment. The WWE. Alors le truc c'est qu'il y a des commandes. Has a goal in sight. The man is unstoppable. Check out the ringside area. Doesn't look like he's going anywhere anytime soon. Nah, he wants to see this one all the way through, Michael. Ah, si j'appuie sur Y, je crois que je m'en vais. Là, il y avait une commande pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. This match is definitely testing his metal, guys. If he wants, he can do it here. Oh man, I mean that was so close. I thought it was over. Yeah, it's gonna take more than that. Throughout his career, Seth Rollins has shown he can do anything. Rollins has promised to continue his assault on WWE. Est-ce que les gens se rappellent les contrôles qu'il faut? Je me rappelle plus. C'est Y dans le coin de Joe. Rollins can do it all in there. And remember, non mais il s'en va là. Always has a plan. Ah oui, d'accord. Ok, merci. Et à partir de là. Knocked right off the apron. Merde! Oh le con! Sur l'arbitre! En fait, je voulais pas qu'il se tape contre le ring, je voulais le remettre dessus. On va rejouer, on va refaire. Merci, It's Chrome's. A superstar gets a certain feeling when he knows there's a strong possibility he may exit the match in a completely different condition than he entered. That's not exactly a comforting thought when it's your career.
Oui, je bois de l'invisible. C'est bon pour la santé. C'est ça, mon niveau de stress est au-dessus de la troisième corde. Well, on the topic of Seth Rollins here, tell us, what do you think we can anticipate seeing from him in this one? I'm not seeing a hatred for the opposition here, which can be dangerous. Indifference is bad when it comes to fighting. Regarde, hey Michael, all I know is that they're paying me to watch matches as good as this one. I can't complain about that. Ah, ça y est. Nice. Okay, faut que j'appuie sur Y. Okay. Ah, voilà, afficher aide. Merci, Masquet. Alors, prendre le contrôle, quitter le match. Down to the floor. Distraire l'arbitre, distraire l'allié. Samoa Joe is looking to end this thing. Distraire l'arbitre, c'est... Nice job by Samoa Joe. Seth Rollins in a tough spot now. He doesn't want to absorb much more punishment if he wants to win this match. Nothing good happens outside the ring. I love it when guys go out there. Things are going to heat up now, fellas. Well, he's certainly looking a little worse for wear, but je vais essayer de distraire l'arbitre. You should count him out just yet. I'm sure there's plenty of fight still left in him. Ah, je me suis trompé de touche, putain. This does not look good for Seth Rollins. Joe is rolling and he doesn't have an answer for him. If he continues to get his way like this, the match will easily become one-sided. J'interromps le compte. Oh putain, j'ai été trop con. To fight back from this. Well, the first thing he needs to do is get back to his feet, which is clearly easier said than done. Oh no, he's starting to get heated. Guys, there's a very good chance this escalates. J'ai servi à rien. J'ai même failli le faire perdre. Oh oui, il a gagné tout seul comme un grand. Il a pas eu besoin de moi. Here is your winner, Samoa Joe. Jay. Ouais, mais vous voyez, encore une fois, comme dit Amaras dans le chat très justement, ce n'est pas face que je viens de faire, parce que j'aide Samoa Joe à tricher. Et là, encore une fois, le jeu ne me donne pas le choix. Même si j'ai dit que je voulais être face, là, il me fait faire des trucs de heal. Qui n'est absolument pas putain de logique. Allez, les temps de chargement sont beaucoup plus rapides sur mon SSD que sur PS4. Hein. Oula, oula. Ouais, j'ai encore pris trop de RT. J'en profite. A chaque fois, je lui pose la question, comment t'es devenu le meilleur? Et à chaque fois, il m'envoie chier, quoi. Oui, bon, c'est super. Alors attention, préparez-vous à voir Johnny John complètement coincé au fond des murs. Ce vélo, il a mal. Regardez, on s'en va tranquillement. Voilà, c'est vrai. Le petit bug omniprésent, quoi. Et Paul Heyman. Donnez-lui vite sa dose de jambon. C'est ça. Je commence à avoir trouble. J'ai pas assez de gras dans le sang. Elle va chercher la voiture, Ricky Bobby. Ah, t'as vu ton catcher? Bon, je l'ai raté. Ouais. Ah.
Parce qu'en fait, t'as strictement aucun intérêt à aller te balader dans les coulisses, quoi. Parce que le jeu te dit voilà, voilà. Oh, Vince! J'ai entendu dire de trucs catastrophiques, devra. Allez bien, j'espère. Comment allez-vous? Parfaitement bien. Il paraît que tu suis le destroyer comme un chien culette qui t'apprend des trucs. T'es là quand il a besoin, quand tu fais caca. C'est bien, ça permet de lancer ta carrière. Laisse-moi te donner un conseil. Juste des bêtes. Ne te retiens pas, l'agressivité porte toujours ses fruits. Les faux dialogues qui ne servent à rien. Et juste placer des figures emblématiques du nom du cash de la WWE. Ça ne sert à rien qu'il y ait autant de branchements. Utiliser un objet de l'extérieur. D'accord. Attends, c'est où que je peux revoir ma miss? On est bien d'accord que là il y avait écrit à trouver et attaquer Seth Rollins. Alors il est où? Non, ça c'est Bo Dallas. Allons voir le vestiaire. Et... C'est trop là. Est-ce que je peux pas monter les capacités de trucs? Ah bah si, j'ai un point d'attribut. Voilà, ça fait du bien. Et... Et... Je veux pas de mal. Je veux juste te fissurer les gencives. C'est... C'est Roman. Et... Dans le bureau. Bon bureau. Il est là. Dans l'autre locker room. Alors. Et où est-ce qu'on... Ed? Oh, il est là. Ed. Ah ma biche. Ah, ça se passe bien, on est sur Twitter. Tiens, abonne-toi à ma chaîne. Un petit backstage brawl. Tiens, pour une meilleure assise. Arrête de bouger. Arrête de bouger. DDT. Est-ce que je peux le faire passer à travers la table ou pas? Voilà! C'est ça qu'on veut! Vous voyez ça par exemple? C'est le nouveau mode de projection en fait où on peut choisir un peu ce qu'on va faire. Je crois qu'on peut modifier sa prise à mi-chemin quoi. Là, par contre, je lui enlève rien de vie. Regardez, sa barre de vie ne descend pas quoi. C'est... Ouais. Ah mais si si, le caméraman nous suit, hein, là, il est au cœur de l'action quoi. Là je pense que normalement je l'assassine, hein, si je lui fais ça pour de vrai sur du béton quoi. Voilà, là normalement bah, il arrive plus à épeler son nom. Hein. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Recouche-toi, t'as pas l'air bien. C'est bon, je l'ai assassiné ou pas là? Allez, travaille tes abdos! Travaille tes abdos à la technique de la chaise! Non, tu me mets pas un coup de poing. Vilain garçon. Un petit coup de pied dans le cul, ça fera du... On peut plus... Putain, la poubelle, on peut s'en servir qu'une fois, quoi.
C'est nul. Y'a pas des trucs un peu plus marrants là dans le coin? Ah, il va m'attaquer! Attends, je suis fatigué. Vérité, c'était pour rigoler, on est obligé à le faire. Ah! Ah! Je voulais pas cette. Oui. Voilà, reste au sol. Non, y a pas l'attaque vent qui pue. En fait, si, y en a une, mais c'est pas tout à fait ça. Quoi. Voilà, dedans, y a rien pour le fracturer. Là. Ah, je suis coincé dans l'entrée. Oh là là. Oh mais le cauchemar. Non mais vas-y rentre-toi parce que moi j'arrive pas à sortir. Viens 7. Je vais lui tendre une embuscade. On me voit pas là. Comment on fait pour lâcher un objet? Je vais lâcher en plein sur la poulard. Quoi. Je vais mettre un petit coup de porte-document. De la part de Samsonite! Oh l'enfoiré. Oh! Oh! C'était physiquement pas possible! Oh putain! Pas plus pour ma gueule. Ah. J'aurais pas dû faire le fifou avec cette. Il a un très mauvais humour par moment. Non! Aha! Maintenant tu as mangé le sol, mais alors bien comme il faut. J'ai jamais comme je galère à le soulever alors que je suis un putain de géant quoi. Je sais, il y a Delaine Jardin qui essaye de m'empêcher de passer là. Je galère un peu moins parce que déjà à mon avis il y a moins de lag du fait que j'étais sur la PS4 et que je passais par un boîtier pour passer le truc aussi. Peut-être qu'il y a un petit lag à moi. Je crois que quelqu'un m'avait envoyé un message privé en me disant « Mais en fait, avec le boîtier que tu as, c'est très bien pour jouer à des jeux qui ne nécessitent pas forcément un réflexe à la microseconde. Mais des fois, ça peut générer un petit lag qui est super chiant quand tu veux placer tes comptes. » Ah, tu as bien ruiné le bureau. Regarde, on a tout mis en ordre. La poubelle n'est pas abîmée. Alors Mamorous, t'arrives là ou pas là? Qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais voir si je vois certains de vos catcheurs traîner dans le coin. Là-bas. Bon, c'est Paul Heyman. Dylan Rose, ça c'est... On va voir si c'est amusé. Ouais. Dash Rider, ok. 10 minutes, ok. C'est Dash. Dash 2 en 1. Parlez avec Stephanie McMahon. Elle est où cette connasse? Mazda Marine. Allez, homme! Tu fais un caca, il était gros comme ça! Bon, là, je passe les dialogues et qu'ils soient. Elle est intéressante! Parce que, à mon avis, ça va être Joe. Après, il va se rendre compte que je prends plus d'importance que lui. Du coup, il va me provoquer, il va me trahir. Et on va faire un match pour le titre. Et je veux gagner. Oh là, j'ai l'impression que le jeu a planté. Bon, ça va. Parler avec Monsieur McMahon dans le parking.
C'est lui qui va chercher ma voiture maintenant. Ah voyons, là je connais pas les dialogues par contre à partir de là. T'es viré. Tiens, tiens, ce serait pas le fils pas si prodigue. Écoute, j'étais sur le point de partir moi aussi, mais discutons. Vous voulez, monsieur? Il semblerait que tu m'aies écouté attentivement. J'ai vu ce que tu as fait ce soir. Tu veux faire partie de la boîte? Voilà une musique douce à mes oreilles. J'ai fait naître les plus grandes mégastars de la WWE. Ce n'est pas un secret. Vu ce dont on a parlé tout à l'heure, je sais que tu vois quoi. Effectivement, monsieur. Garde les yeux et les oreilles vertes. C'est tous de super. C'est super. Donnez-moi le titre. De l'argent. Oui, au revoir. Ça suffit. Non, toi, tu raccroches. Oui, mon perso fait flipper, alors. Je voulais faire. Ne me jugez pas là-dessus. Les plus grandes mégastars comme Baron Corbin. Fuck! Ah, la violence. Ah, un peu plus de dialogue. Pay-per-view, ta gueule. Le pay-per-view n'arrivera pas dans mon bureau, alors oust, ça dépend de toi, Stéphanie. Alors, parler à Todd Mullin, ouais, encore des faux choix. Les types qui relient la gravité. Alors, petit, alors quoi de neuf? Je dois donner davantage aux fans. J'ai le droit d'avoir un match ou pas? En tout cas, tout ce que je fais depuis que je suis à Raw, c'est attaquer les gens dans les coulisses ou en dehors du ring. J'aimerais bien à un moment donné, tu vois, mettre des taloches, mais quand il faut. C'est la demande. Les gros costauds. Ah. C'est la vraie musique, hein. Oui, bon, on va y aller quand même, on va passer la nuit là, regarder les feux d'artifice. Et on a payé quoi. Attention. Don't move. We have a great match. Contre Zack Ryder. Vous n'avez pas trouvé un autre pince pour m'affronter. Versus Zack Ryder. I can't wait. Comment manquer de respect. Wow, wow, wow. On verra ce qui se fout de ma gueule. Voilà ton premier match à Raw. Je suis sûr que ça te permettra de rentrer dans l'histoire et de poser ta personnalité. Contre Zack Ryder. J comme Jobber. Jobber, Jobber, Jobber. La journée sur une plage sur un oreiller. Ah, ils ont changé sa musique, non? David lui aussi il a fait un J, il a fait comme ça. Eh bien là mon petit, toi et moi on va rigoler. Oh, tiens, gros coup de téton dans ta figure. Oh, tu m'en voudras pas, je vais passer tout mon arsenal de coups sur ta frange. Je crois qu'un de mes préférés c'est celui-là parce que c'est tellement l'irrespect qu'il veut même pas finir son suplex. Il faut oh, dégage. Let's quickly discuss Zack Ryder for a moment. So if you were him, what would you do to win this thing? I like his chances here tonight, Cole. I know I'm not breaking any news here, but when it comes to singles competition, you really have what it takes. Here we go, Michael. One superstar determined to make a mark in his opponent. Vous savez, Let's Go Ryder, ça fait deux minutes là qu'il est par terre et qu'il n'en peut plus de la vie, quoi.
L'irrespect des attaques. And the WWE Universe is always firmly behind Ryder, chanting, woo woo woo, oh. You know it. Ok, Amaras qui me parle. Amaras, je vais essayer de te faire venir peut-être avant la fin du... dis-moi quand je peux... Je vais me mettre dans un salon de... Je t'appelle. Mute ton micro si tu veux. Et quand tu seras prêt, bah, tu arrives. Quand c'est un petit appel, tu réponds quand tu veux. Let's go, Warriors. Eh ben, je suis là. Ah ben, coucou. Eh ben, vous. Comment ça va? Je ne dis plus rien, mais sois bien. D'accord. Nicely done. Oh, oh, c'est le match des astuces et des feintes. Tu as un gros coup de tête dans ta frange, ton cœur était mort. Ce que je vais faire, c'est que je vais baisser peut-être le son du jeu un tout petit peu. Sinon, on ne t'entendra pas, je pense, quand tu viendras t'exprimer avec nous. Je continue à faire le kick. He's always ready to go in that ring. The WWE Universe certainly loves their Long Island Iced Z. Zack Ryder's never short on energy, never short on desire. Va remonter sur le ring, oui. From a challenge and has the worst spray tan in the business. But as far as the WWE Universe is concerned, they support him, even though I don't get it. Et hop. Je sais même pas si j'avais un but à accomplir là, s'il fallait que j'ai 3 étoiles ou que j'attaque avec des armes ou je sais pas qui est. What do you think Zack Ryder needs to do to get back into this battle? Je vais. Reviens là, mes créants. Je te brise en deux. That landed perfectly. Rigole bien, Zach. Est-ce qu'on lui ferait pas un petit coup de fesse dans la rétine, quoi? J'y arrive, non, je vais pas y arriver. Ooh. Et arrête de sortir du ring, nom de Dieu. Putain, le mec il glisse, quoi. He wants no part of the outside. Je te remets tes lombaires en place, hein, ça va te faire du bien. Putain, il m'a contré. Oh, le fils de chien galeux. Et j'ai été sympa de sauter avec lui quand même. Aïe. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ça fait super mal au genou. Tu sais quoi? Je vais te contrer. Fireman's carry. This doesn't look good, Corey. Couldn't agree more, Cole. This has got trouble written all over it. Yo! Il a un combat, cet enfoiré, quoi. Ouais, je sais pas quelles sont les attaques de Johnny contre les cordes comme ça. Ah oui. Ah oui, le truc pas trop légal. Oh boy, Zack Ryder is in a tough spot here. He might just have nothing left to give, guys. I think I can safely speak for all of us when I say that this beating he's taking is pretty tough to watch. Ah, je récupère un peu de stamina. Pourquoi il a toujours un job, Zack Ryder, à la WWE, quoi? Je peux avoir mon finisher, s'il vous plaît. He's sending a message to the entire WWE locker room here.
He's playing with him now. He's just so strong. I don't know if Ryder can bounce back from this. Alors, je pense qu'on peut dire au revoir à Zack Ryder. We've seen this before. Un canard communiste. Bonne journée à toi. Face plant. Just when you thought he had nothing left. Will this be it? Je pense que ça va être bon. Et c'est bon. Zack Ryder, merci d'être venu. Au revoir. J'ai déverrouillé un succès, c'est bienvenu dans la cour des grands, quoi. J'ai battu Zack Ryder, hein, calmez-vous. C'est bon, c'est gentil. Mon petit Amaras, tu vas pouvoir réactiver ton... Il n'a pas envie. Non, je ne retrouvais pas.